Jovenel Moïse laisse le pouvoir aujourd'hui, demain, pays à calme, pays à propre, tout rue lavée, tout petit monde retourne à l'école, tout business fonctionnel, pays à fonctionnel. Jour aujourd'hui, il y a lieu de reconnaître le problème. Mon patin qui j'en ai, ça pas le fait. D'entrée de jeu, blanc proposé. Blanc proposé, guerrier du seul, yon exécutif, ça c'est sous point gouvernance là. Yon exécutif bicéphale. Elle dit avec un premier ministre. Et... un premier ministre, mais attention, c'est pas avec un président. C'est pas un président. C'est ça le relais, on c'était. Conseil de transition. Qui ça, Blancaré, comme il dit dans la proposition, yon a guerrier du seul. Mission conseil de transition, ça, c'était. C'est un organe qui pral gagner ça ou le pouvoir présidentiel. Mais attention, bon bagay qui a ajouté dans la phrase ça. Pouvoir présidentiel dans la mesure où cela est possible. Ça veut dire que possibilité pour le pas possible. Donc. Dans la mesure où cela est possible. Donc, vous voulez souligner ça dans le document. Et puis avancer, vous dites, conformément à normes et puis esprit, constitution, j'en ai indiqué dans un paragraphe qui vient après. Yo dit organe ça qui est le conseil de transition la met en place son façon pour capable garantir équilibre pouvoir yo, et puis avec fonctionnaire yo dans exécutif là la bien pour garantir tout bonne gouvernance pendant la travail en parfaite collaboration avec premier ministre là, et puis conseil des ministres pendant période transition hein, pour assurer amélioration conditions socio-économiques population hein, et puis bail sécurité ensemble avec service de base, protéger droit monde et puis faire promotion la loi avec responsabilité, sauver réforme qui doit faire dans la question de l'État et puis créer un environnement politique favorable qui capable permettre d'organiser l'élection plus vite ou bien plus bonnet que possible. Comment c'était ça lui-même la composé guerrier du seul? Yo dit conseil de transition l'a composé de 7 moun. Kap genyen secteur sa ou la dan. D'abord le secteur politique, ap genyen secteur privé des affaires, ap genyen secteur religieux, ap genyen société civile là. Secteur politique là selon proposition monsieur CARICOM yo, ap genyen 4 moun en dan conseil là. Secteur privé ap genyen yon moun, secteur religieux a yon moun. Et puis secteur société civile là si vous voulez yon qui vient faire que conseil de transition blanc proposé à guerrier là bien 7 monde là dedans. Donc nous songe des gon paroles qui t'a parlé possibilité pour élargir le haut conseil de la transition ça n'y a là qui à CTA et gien monde qui t'a parlé de 5 etc. permettre que de l'autre membre qui rejoignent Mirland Maniga, pasteur Calix Péridor et puis Laurent Saint-Cyr et bien n'a pas Carré comme nan, yo parle de 7 moun. Qui ça? Yo parle gen comme attribution mais comme pouvoir. Mais qui ça Blandi? Blandi conseil transition, hein? Jan so dit tout à l'heure, la gen pouvoir présidentiel dans la mesure que c'est possible, vous comprenez? Et puis la gen pour assurer, jan so dit tout à l'heure, existence en exécutif bicéphale, vous comprenez? Conformément à normes et puis esprit constitution hein? Et pouvoir exécutif à bien la dedans. D'abord, contre-signé avec membre gouvernement arrêté décret ensemble avec l'ordre du jour conseil des ministres nommé au conseil électoral provisoire dans esprit article 289 constitution et puis fixé date élection sous base on avis technique CEPA qui pral gagner par la suite pour publier dans journal officiel pays le moniteur. La bien pour présider Conseil national de sécurité, alors structure ça, puis devant, on va l'expliquer Mounio qui s'allie, eh bien, dans pouvoir ou bien dans attribution et CTA, Conseil de transition, ça, la bien pour le présider Conseil national de sécurité, la bien pour nous retourner sur ça. Et en collaboration avec le Premier ministre, CTA bien pour définir et puis établir un gouvernement d'entente nationale qui pral mettre accent sur l'inclusion et qui pral. Fait tout sous base sélection série de monde qui intègre, qui expérimenté, qui compétent dans domaine technique portefeuille et qui prend en compte tout égalité femmes garçons.
avait dit bah, un bagay, et gen pile garçon là et puis ça va gagner pièce femme dans l'équipe là, etc. L'autre élément, comment le conseil de transition ça va fonctionner selon proposition CARICOM là? L'a fonctionné de manière collégiale et l'a bien en tête li un président et c'est récemment bio qui va le désigner président ça. L'a exercé sous voulait un contrôle sous domaine stratégique action prioritaire gouvernement transition tant que bonne gouvernance, rétablir sécurité, faire élection libre, équitable, inclusive. Question aide humanitaire, ou relancer l'économie pays, réforme constitutionnelle et institutionnelle. Dans la proposition CARICOM, yo prévoit tout, même genre avec accord qui passe, notamment accord 21 décembre, même le bat jam mette en place, un organisme de contrôle de l'action gouvernementale qui est le OCAG, qui sa mission la pied guerrier du seul. Objectif OCAG là, c'est garantie règles et procédures administratives garantie qu'il y a appliqué dans toute intégralité yo. Et puis faut que organisme tous les garanties a gagné en transparence dans décision qu'a prend yo dans action gouvernement a gagné pour le poser et surveillance ça que au cap gagné pour le faire soit activité gouvernement c'est quand même une certaine contribution si nous document qui en bas j'aime là à question bonne gouvernance et puis à question responsabilité que chef de gagne dans pays comment l'a composé qui est cap dans organe ça guerrier du seul l'a bien 15 représentants organisation de la société civile association socio-professionnelle association régionale représentative dans société haïtienne qui a bien là dans le femme et puis jeunes en particulier et tout monde ça on a parlé là c'est CTA qui va le pour nommer ça relé le conseil de la transition. Et comment organe ça a fonctionné au CAGLA? L'a administré par un comité de 5 monde et c'est reste membio reste membio qui a gagné pour choisir pour déterminer si vous voulez et qui est cap dans comité ça et puis c'est membio tout qui a déterminé comment réunion a fait et qui sa modalité à pied, qui sa procédure de travail à pied. Ça, c'est pour le Conseil de la Transition et l'organisme de contrôle de l'action gouvernementale qui est au CAGLA. Maintenant, qui ça qui dit pour gouvernement d'entente nationale que nous avons évoqué tout à l'heure? Il y a bien un document Mariani. Hein? Oh mon Dieu, qui me dit Mariani. Ah, oh Dieu, Mariani. CARICOM. Dans document CARICOM na guerrier, je dis premier ministre là, conseil transition avec moun qui te signé accord 21 décembre yo, moun qui te signé déclaration conjointe de Kingston yo, ensemble avec acteurs dans société civile là, yo pral gagner pour travail conjointement pour travailler dans tête collée, tête ensemble pour mettre en place un nouveau gouvernement de transition en tête nationale qui a mis accent jeune de dire puis sur inclusion. Eh bien comment yo pral choisir moun yo mais qui sa critère de sélection yo doyé d'abord faut que moun y a choisi pour faire partie du gouvernement de tête nationale ça c'est des moun qui intègre c'est des moun qui expérimenté et c'est des moun tout qui compétent dans domaine technique portefeuille yo a. Et il y a toujours tenu compte de parité entre garçons avec femmes. Mais comment yo dit guerrier du seul. Yo dit premier ministre dans monté gouvernement, il y a droit à 40% nomination ministérielle. Ça veut dire mon gars premier ministre là, vous comprenez? Dans nomination n'a parlé là dans nouveau ministre qui va entrer dans gouvernement, il y a droit à 40% portefeuille ministériel. Ça veut dire que 40% le ministère, c'est le premier ministre seulement qui a décidé qui est ce qui est ce qui pas là. Maintenant, quelle sera la mission de ce gouvernement de tête nationale? Si nous avons une proposition carrée comme ça, priorité gouvernement, c'est d'abord garantir sécurité citoyen et puis soutenir déploiement mission multinationale soutien à la sécurité, créer un environnement propice pour capable gagner élection en d'un pays. Et on dit qu'il y a une attention particulière qui pourrait accorder, si vous voulez, à bien-être socio-économique et population
et puis permettre que gagner des services de base, services sociaux de base notamment qui fournit, et puis question aide humanitaire là tout jeune dit tout à fonctionnement institution en d'un pays, surtout institution qui chargée eh bien pour faire respecter loi yo, promotion droit monde et puis on attention tout pour un série de jeunes garçons, jeunes femmes en d'un pays qui ont dit qui représentent avenir en pays et je dis à la qui constitué selon document et CARICOM nan en proportion très élevée dans la population an, et ses principales sources souvelé pour moun yo décider nan choix a fait yo pour aller dans question gang premier ministre nan, conseil transition an, conseil ministre il y a bien pour travail en collaboration qu'on y a qu'en est-il du calendrier pour faire tout ça yo et bien qui ça CARICOM dit gouvernement en tête nationale là t'a dû mettre en place 14 jours après yo fin reconfigurer conseil de transition ça veut dire ça tout ça nous on t'a dit là je t'a expliqué là sur question gouvernement tête nationale là il a fait exactement 14 jours après yo fin reconfigurer conseil là bon me dit reconfigurer et me répéter le tout parce que nous avons au conseil là déjà donc reconfigurer veut dire ça est-ce que qu'on y a là dans trois monde qui là yo va mettre quatre autres monde yo pour faire sept là ou bientôt trois moun sa wap trois out y a vinn a sept nouveau moun pa ni pièce côté dans document yo mentionné ça mais ça certain yo juste parler donc conseil de transition à vocation présidentielle qui ça document dit sous question processus électoral là hein bon yo pas dit ça tout non yo pas dit c'est dans parler ou bien si c'est côté à cette hier là l'a toujours été on conseille électoral provisoire comment y a nommé yo et qui sa mission la pied conseil électoral provisoire ça c'est conseil transition en consultation avec premier ministre qui a nommé li gili doit gagner pour plus petit trois femmes parmi neuf moun y a sélectionné yo ensemble avec un représentant de la jeunesse et dans conseil ça conseil électoral là bien pour objectif c'est élaborer une feuille de route électorale cap détaillé pour capable organiser élection générale qui visait renouveler institution politique gouvernement qui sa attribution à bien c'est évaluer ressources humaine et matériel qui disponible actuellement là dans bureau et CEPO soumettre par gouvernement un projet de décret électoral pour publication publier un calendrier électoral mettre en place bureau électoral départemental à communal yo superviser inscription électeur superviser campagne électorale yo et puis organiser élection générale pour capable et organiser élection générale il y a et puis garantir que élection ça il y a libre il y a équitable il y a inclusive gérer s'ouvrir toute indépendance opération électorale yo jusqu'à publication résultat maintenant processus identification nationale et il y a bien pour réorganiser processus identification si c'est nécessaire il y a bientôt pour procéder à sa relais enregistrement et puis distribution de carte d'identité pour tout le monde qui sous liste électorale ça ne capable briller électeurs et puis collaborer avec instances compétentes là. Maintenant, tu as l'homme de parler d'un conseil de sécurité guerrier du seul qui prévoit un dans document et CARICOM là. Et bien, qu'en est-il? Sécurité nationale. Eh bien, parti au pral entendre guerrier pour nommer un conseil national de sécurité pour capable renforcer sécurité citoyen. Et il y a bien tout pour formuler un plan de sécurité nationale. Il y a bien pour préparer modalités de coopération en matière de sécurité dans ce qui concerne l'assistance internationale dans la question de sécurité pour la police nationale d'Haïti, ensemble avec suivi mise en œuvre résolution 2699 Conseil sécurité Nations Unies et puis créer un comité de coordination et surveillance pour surveiller eh bien comment mission multinationale de soutien en sécurité, à sanre les MMS là, li pral comporter, li pral mener opération lio en dans pays. Pour question aide humanitaire, nous t'a parlé d'aller à guerrier du seul. Eh bien, document CARICOM nan dit comme ça, conseil transition, gouvernement ak premier ministre en collaboration avec société civile là avec partenaires national, régional ak international yo a préparé, a développé et puis mettez en œuvre souvelé des mécanismes de coordination pour capable faire face avec urgence qui gain pour à crise humanitaire ça qui a évolué en dans pays. Maintenant sur le plan économique, qui ça document prévoit? Document dit secteur privé des affaires là a bien pour préparer
un plan économique détaillé de relance économique après consultation avec exécutif là et gouvernement pour quelqu'un pour le passer plan ça ou pour l'examiner pardon pour l'examiner plan ça et pas moi même Gabriel c'est ça qui dit dans le document m'a partagé fait il y a des plans urgents à court terme OK que secteur privé n'a pas allé là ensemble avec exécutif là pour gagner un bien pour mettre en place pour capable créer des emplois pour monde qui vulnérable vous comprenez et ça doit faire non délai qui pas dépasser 3 mois. Qui ça qui dit pour réforme constitutionnelle là derrière de celle de Grégory Lebain dans document CARICOM proposé acteur proposé protagoniste conseil de transition a gagné pour nommer une commission de réforme constitutionnelle et gagné vraiment on entente large au consensus large dans mitan toute partie qui était prend part à discussion selon CARICOM sur le fait que constitution 1987 la méritait réforme pendant obtenu compte bien entendu des aspects positifs et aspects négatifs qui est venu à partir de expérience et puis pratique qui fait par le passé ou bien depuis le n'a pas appliqué constitution ça dans un pays là gagne vraiment au consensus sur ça donc tout le monde d'accord presque à l'unanimité gagne débat qui pour fait en dedans constitution hein, qui pour permettre que nous résoudre ensemble de problèmes notamment question nombre et séquençage élection à différents niveaux nécessité comme si pour harmoniser cycle politique là cycle électoral là et parti eux même yo entendre pour déterminer eh bien dans quel niveau réforme ça n'a pas parlé là et dans quel domaine eh bien constitution mérité réviser préparation conférence nationale il y a des consultations politiques publiques qui visaient et pour capable prendre point de vue et grand public là et garder qui sa contribution au Takaye il y a organisé avant même de lancer processus révision constitutionnelle là garder comment yo ouais changement constitution et cetera bon parce que des travaux qui étaient faits sur ça déjà donc travail président Jovenel Moïse n'a que pas de temps de parler aller au tap combat Jovenel la question référendum là bon il a utilisé l'autre mot consultation populaire etc. Ça qui nous est bien donc il veut parler de conférence nationale okay. Des consultations publiques pour capable garder point de vue mounio et puis garder comment il est capable contribuer et dans la révision constitutionnelle là il parle tout de lancement processus réforme là et révision constitution là bien pour prendre en compte tout point de vue mounio et puis garder toute contribution consultation publique dans quel niveau capable utile nous sommes des députés dans des fonds bail comme ça tout l'élite dans parlement. Qui était dans tête en commission tout qui était à travailler sur question réforme constitutionnelle là etc. Il parle de réforme institutionnelle ça m'a pas trop capitalisé sur lui mais ça qui intéressait bien dans le document c'est la période de transition. Parmi les signes majorité document aussi signe tout ça qu'a dit signe quoi tout document ça m'a appelé là transition pour commencer. Baron sous gouvernement. Tout ça n'a pas la vraie transition non gars. Et temps à le faire. Il fait temps là on va passer. Il passé. La ronde d'observation avec c'est des mouvements de mise en train, c'est chauffé. Ah, c'est ça. La réponse question ça n'a fait pour. Une belle question, intelligent. T'as vu tout ça on a parlé là, tout ça que t'es fait depuis le Jovenel Moïse mouri, on comprend et puis docteur Ariel Henry rivé dans tête pays, tout ça t'as des cap fait, nèg cap gagoté, nèg cap riche, tout ça t'as dit là, selon document ça vaut une transition non. OK. Pour une transition. Donc ça veut dire ça. Si pour qu'on ait un accord qui signe, pour qu'on consensus là qui joue dans mitan acteur, Ariel a continué rester dans tête pays là. OK. Jou ap konté et jou ti a quoi et les transitions commencer mais ça qui intéresse me guerrier dans document et n'est qui content là c'est la période de transition durée transition guerrier du sud on regarde qui ça blanc comme yo dit et bien blanc comme yo dit là on tenir compte de ampleur à complexité défi OK pays a fait face ou pays a confronté pour capable ouais s'il ca retourner sous rail là on considérer temps que ça prend effectivement pour permettre que le pays ait un bon souffle, eh bien, parti qui participe dans la discussion guerrier de seul selon les personnalités de la CARICOM, ils ont mis accent sur l'organisation de l'élection comme une priorité depuis l'environnement lui-même est favorable. Vous comprenez? Et ça va permettre au moins, ils ont venu avec un gouvernement constitutionnel et puis ça va permettre qu'ils ont remis campé en série d'institutions qui caduquent. Donc, CARICOM, par répondre à une question, ça, par exemple, élection ça qui est fondamentale pour retourner, attendez bien, oui, élection ça qui est fondamentale pour retourner pays à sous rail démocratique là,
qui l'elle doit faire. Il dit comme ça, c'est l'environnement propice. Favorable, l'environnement propice. Mais dans combien de temps environnement favorable? Est-ce que c'est dans un an? Est-ce que c'est deux ans? Et trois ans? Tacite pas ça, t'as dit que ça. On est qui t'a vu là, qui a géré le pays, qui n'a pas ta remède l'élection faite, donc là, toujours arrangé pour environnement pas jamais favorable. Mais vous comprenez? Donc, on a créé toutes conditions, parce que l'environnement favorable, nous supposons, nous valider ça ici déjà. D'abord, sur le plan politique, il faut conditions réunies. Sur le plan technique, tout, il faut conditions réunies. Mais sur le plan sécuritaire, et c'est déjà plus gros condition d'après tout le monde. Où est pays ça sur route pour que la sécurité dans le pays là? Est-ce que vous avez comme ça là? On avance. CARICOM dit, guerrier de seul, transition la parle là, l'IPA doit dépasser 18 mois. Ça veut dire qui ça? Si Ariel font 3 ans là, et puis à partir de 3 ans Ariel là, là, il va commencer à passer transition. Hein? Donc nous partons là pour 18 mois encore. Combien Ariel est-il là? Ariel a 2 ans, quelques mois. Ariel d'ici l'année 2020. Donc il y a un mandat présidentiel. Ariel a fait ce cas-là. La transition. Je me rappelle. Et pour ça, il y a une bataille. Pourquoi il y a une transition? Durée de transition, on ne peut pas dépasser 18 mois après accord. Après accord. Qu'on y a qui l'est à quoi s'absigne, ni moi ni ou pas qu'on est. Est-ce qu'il y a quoi s'absigne fin année? Est-ce qu'il y a quoi s'absigne début année? Nous pas qu'on est. Qu'il y a de seul. Mais qui ça, feuille de route, car comme nous avons, nous avons des échéances pour appliquer ça qui dit dans le document, dans la proposition. Dans 14 jours qui viennent après à quoi, il faut que le conseil de transition lui-même l'installe. Conseil de transition révisé. Ça veut dire 14 jours après accord a fin signé, ça veut dire conseil là pour être pays. Mais qu'on y a là qui le accord a signé. Ni moi ni vous nous pas connaît. Pas oublier ça son proposition. Pas rien que dire que acteur ou bien protagoniste pour l'accepter avec proposition et CARICOM là. Bon CARICOM va retourner dans pays sûrement pour venir regarder comment moun yo recevoir ou bien appréhender souvle et proposition là. Dans 21 jours qui viennent après accord, CEP a dû nommer et puis tout doit gagner une feuille de route qui prépare, une feuille de route électorale qui détaille. Dans 21 jours après accord fin signé, faut Conseil national de sécurité a installé. Car comme qu'a parlé, c'est pas moi qui a parlé. Dans 28 jours après accord, 28 jours après accord, environ un mois après signature accord, faut bon gouvernement d'entente nationale qui mettait en place. Fok, organisme de contrôle des actions gouvernementales au CAGLA, lui-même l'y nommé. Fok, Conseil national de sécurité a mettait en place. Fok, plan économique détaillé pour capable soutenir reprise économique là, que secteur privé a lui-même doit soumettre par le gouvernement. Fok, il prêt. 28 a parlé là, guerrier de seul. Maintenant, étant donné que ce n'est pas le premier document. Probablement s'il signe un cap signé depuis les Ariel pour le ministre. Même j'en dépose question dans fin année 2022 pour nous dire qui garantit que nous gagnons ça qui écrit dans le document 21 décembre. Il va le respecter. C'est même j'en toujours dit. Nous avons droit pour nous poser question. On dit document ça t'a passé. C'est-à-dire tu as gagné acteur qui entend nous sous lui qui baille proposition car comme nan bénédiction. Yo. Maintenant, qui garantit que nous gagnons, que le prêt à le respecter, surtout si tu as un certain Ariel Henry, la donne, qui a un doctorat dans passé mon farine, qui a un doctorat dans passé mon bêtise. Eh bien, on garde qui ça, blanc carré comme yobay comme garantie. Garantie politique. Yo dit comme ça que signataire, à quoi, ou bien, document ça, il a accepté pour collaborer de bonne foi et dans l'intérêt national, bon, ça m'a dit d'autres souli, et pas tout le monde qui gagne Haïti dans le plan yo. Conseil transition à premier ministre, non. Il a prêté en place tout au long de transition et au pago quelle mesure qu'a pris contre pour destituer. Mais ça veut dire madame monsieur. Il y a 18 mois. C'est quoi document carré comme là. En parlant de CTA conseil de transition et puis pour le ministre en question. Il dit comme ça n'importe ça qui t'est arrivé pendant 18 mois ça pas grand ton net qu'a retiré mon ça. Il a toujours été là
jusqu'à ce que à quoi abouti, qui c'est qui ça, organiser l'élection dans la période ça, et puis permettre un gouvernement légitime, un président qui sortit dans l'élection, qui rentre en dedans palais national. Membre conseil de transition à premier ministre, pas de yon n'a yon kap participer, pas premier ministre, non, membre conseil de transition à gouvernement, pas de yon n'a yon kap participer dans la prochaine élection. Okay. Élection présidentielle, élection législative. Maintenant, la garantie internationale. Institution nationale, yo, institution régionale, yo, institution internationale, yo, les wèl signé encore ça, y a là comme témoin pour voir qu'il y a des engagements qui prennent en mitan acteur. Acteurs. Et CARICOM dit comme ça que la garantie, ou bien la présente, la mette comme garantie ou les guerriers, pour l'assurer que l'accord li mette en neuf, c'est-à-dire que vous appliquez tout ça qu'a dit. C'est comme si nous, on a fini de signer et puis qu'on a campé là en bas. On va. Et ça nous besoin. Quand on a campé là. Et puis, fais-moi nous pas appliquer. Bon, c'est ça qu'on dit dans l'esprit. Et puis, il dit que guerrier de sel, les ont fini négocier, les ont fini approfondir, si vous voulez, échanger, eh bien, parti eux-mêmes, yo entendent yo, ok, sous qui ça qui doué dans document, et c'est entendre ça qui peut aboutir avec signature accord, et c'est accord ça tout qui peut servir pour mettre fin à ça ou les impasses politiques prolongées, et c'est accord ça tout qui va constituer, si vous voulez, en base en transition démocratique qui peut permettre une solution immédiate qui joigne à crise ça. Pour nous finir, guerrier de ciel, mon question fondamentale, que vous lui bien posé. Où est Ariel dans tout ça? Où est passé Ariel dans tout ça? Est-ce que tout ça n'a pas dit là, c'est avec Ariel? Ou pas? Eh bien, m'a tout dit ça. Document pas dit, mais si vous bien comprenez le document guerrier de ciel, vous tout dit que c'est Ariel qui a prêté premier ministre. Pour qui ça me dit ça? À aucun moment, il va parler de mécanisme pour faire choix dans le premier ministre. Il va parler de ça. À aucun moment, il n'a pas dit mais comment il va procéder pour choisir le premier ministre. Il a parlé des membres du gouvernement. Il a parlé de monde qui va gagner pour occuper des portefeuilles ministériels. Pour dire mais qui sa critère de sélection. Mais à aucun moment, il n'a pas parlé de comment il va choisir un premier ministre. Donc, cela sous-entend que Ariel Henry, quel que soit à copta signé aux yeux de l'international, quel que soit document arrivé faire objet donc entente entre acteurs depuis international a validé donc faut Ariel Henry lui-même liste-t-il encore premier là. Ministre allons bel jouer ça international la quoi la mission puis bien maintenant qui a venu document ça est-ce que acteur au fois ça va arriver Chita et puis adopter proposition CARICOM non? Ou bien pral émettre des réserves sous lui et puis du coup permettre des modifications qui fait on ne le sait pas mais ça c'est guerrier de seul à défaut de entente dans mitan nous à défaut de consensus dans mitan nous et bien CARICOM qui Chita parle avec tout acteur il a accouché proposition ça proposition ça est-ce qu'il réaliste est-ce qu'il adapté à ça ni la comme réalité. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que son proposition qui très promet? On ne le sait pas. Il n'est que d'attendre. Mais j'aime toujours dire, si nous voulons résoudre ensemble des problèmes de pays, il faut que nous résoudre des problèmes politiques. Ouais, si nous ne pas résoudre des problèmes politiques, nous avons toujours été dans la birette de Samy là et nous avons toujours fait face à un paquet d'autres problèmes qui sont importants à nos yeux et qui aujourd'hui à là qui est maintenant coup. Parmi eux, problème insécurité. Thank you.